Nous plaçons cette nuit dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, nous considérons cette nuit comme la meilleure des nuits de tous les musulmans. En ce qui concerne le thème, je me réfère toujours à la paix, à l'entente, à la concorde, le bon vivre ensemble, l'entente, le respect de nos institutions et le respect des personnes âgées. Et la nuit du destin de 2024, disons que c'est la nuit qui est faite pour que nous puissions glorifier Allah comme il se doit. Et prier Dieu comme il se doit. Après Ramadan, nous revenions à des mauvais sentiments. Il faut préserver cet acquis positif afin que d'ici le Ramadan prochain, nous-mêmes nous soyons faits que nous nous sommes transformés positivement.